alors, je vais vous présenter Romain Janssen et comment parler de tous ses secrets, de toutes les choses que vous vouliez savoir sur lui depuis tellement longtemps. Enfin, même si vous n'avez pas encore regardé les vidéos, mais bon, voilà. Quand vous les aurez regardées, vous voudrez certainement savoir qui est Romain Janssen. Alors, Romain, es-tu d'accord pour que je divulgue la plupart de ses secrets ? Non. Non ? Non. Bon. Si je dis deux, trois trucs qui ne sont pas trop graves, ça va ? Je veux savoir ce que c'est un mot. D'accord. Donc, je vais dire déjà ce que je fais. Bon, déjà, Romain se lave tous les jours. Tous les jours. C'est pas un secret, ça. Sans exceptions. Il se lave les cheveux tous les jours, sinon ses cheveux deviennent gras après une seule journée. Il aime collectionner les capotes. N'est-ce pas? Faut dire que j'aime surtout les utiliser. Oui. Il aime utiliser les capotes aussi. Ça lui arrive une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps? C'est tout de ma gueule? Ça lui arrive même très très souvent. Donc voilà. Comment? Que fait-il d'autre? Eh bien, certainement que les filles veulent savoir s'il est pris. Et malheureusement, il est pris. C'est vrai. Mais bon... Non, je déconne. En fait, il est vraiment super amoureux de sa copine. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Une personne que tu détestes, Romain. Ton chien. Il déteste mon chien, Paco, qui n'est plus parmi nous aujourd'hui parce que Romain ne l'aimait pas justement, donc il l'a tué. Non, je déconne. En fait, il est encore vivant, mais Romain ne supporte pas qu'il rentre dans ma chambre, du coup, il n'est pas là avec nous aujourd'hui. Il adore les Barbies. Oui. Pas les... ça va, j'aurais pas dû dire ça, excusez-moi, il ne voulait pas que ça se sache. C'est pas qu'il aime bien les Barbies, c'est qu'il aime bien les poupées gonflables, si vous voyez ce que je veux dire. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. C'est de la connerie, pure et simple. Il aime... Arrête non, ça, coupe non, ça. Non, il aime bien quoi d'autre? Alors, il aime bien que... Une fille lui touche les tétons. Ça, il adore ça. Hein, Romain? Tu adores qu'on te titille les tétons. Hein? Regarde la caméra, dis-leur que tu aimes ça. J'aime qu'on me titille les tétons. Alors, qu'est-ce qu'il aime bien d'autre, Romain? Elle croit qu'on est pareil, hein. Oh, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Moi, j'aime pas quand on fait ça. Lui, il adore ça. Alors, qu'est-ce que t'aimes bien quoi d'autre? Bon, je ne dirai rien. Ouais. Qu'est-ce que Romain adore qu'on lui fasse? Alors, il aime bien qu'on lui fasse ça dans les cheveux. Puis après, il fait quand même petit chien. Hein? Et il est amoureux, donc sa copine qui s'appelle Delphine. Ah, merde, je me suis trompée. Non, excusez-moi, Philippine. Je rigole. Il n'a qu'un seul amour, et cet amour, c'est Philippine. De Carpentrie, au cas où. Et qu'est-ce que je peux raconter d'autre sur toi? Il a un style un peu grunge, comme ça. Grunge. Et Il joue de la guitare électrique depuis peu. Il se débrouille très bien d'ailleurs. Et il compte pratiquer bientôt tout le Kama Sutra. Enfin, si c'est pas déjà fait. C'est déjà fait. Et voilà, en fait, je suis un petit peu en retard parce que voilà, on s'était plus revu depuis longtemps. Mais apparemment, il a déjà entamé le Kama Sutra. Non, fini. Fini le Kama Sutra. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur toi? Que je t'aime bien, Romain. T'aimes bien qu'on te fasse quoi sexuellement? Tout. Non, il a dit tout. Il a dit tout, mesdames et messieurs, oui. Attends, non, pas tout, mais. Je sais pas, moi, comme ça, là. Je vois pas de vie. Donc, il est. Je bats. Par contre, il a un petit frère à qui j'aimerais bien faire coucou, hein, qui... Calme-toi, ne sois pas jaloux de ton frère. Jaloux de lui? Vas-y, parle un peu de Kyle. Ouais, c'est pas moi. Un petit rasta. Un petit rasta, son frère, c'est un rasta.
Les filles, si vous êtes intéressées, il n'a pas de copine, hein, son frangin. Ouais, bon, il n'en a jamais eu non plus. Si, il en a eu. Non. Si. Il a eu Mona Lisa par Facebook. Ah, il sortit avec une fille par Facebook. Ah ouais, il se croisait pas. Enfin, quoi, il se croisait, il disait rien. Non, non, il en a jamais eu. Et comment, j'ai une veste bleue. C'est bon sang. Non, mais on ne s'est jamais vu qu'on avait plus rien à dire. Alors, parle d'une fille que t'aimes pas, à qui t'aimerais bien dire quelque chose, là, tu vois, la casser, là, tu vois. Que j'aime pas. J'aime tout le monde, je suis pisé de moi. Mona Lisa. Ah ouais, non, 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 ouais, ouais, non, c'est vrai. Mona Lisa Gillin, on dirait que tu t'es foutu du Botox partout sur le visage. Ah bon? Ça, c'est assez drôle. Non, c'est vrai, on dirait qu'elle a fait un truc, ou bien alors, vous voyez les vieilles dames qui se font refaire le visage, et bien ça, c'est Mona Lisa, avec les joues remontées comme ça, ainsi. Des grands yeux qui font très peur. Et des sourcils épilés. Elle a quel âge cette conne? 12-13 ans? Alors, qui d'autre on n'aime pas à l'école? Une fille que tu détestes, même un mec que tu supportes pas pour un truc. Oh, Mona Lisa, t'es moche, t'es moche. Imaginez-vous cette vidéo. On verra. Dans ton cul. Ah, intéressant. Oh oui. Alors, vous saviez que le point où les garçons adoraient qu'on les touche, c'était leur cul, la plupart du temps. À l'intérieur des fesses, c'est là qu'il y a un truc qui leur donne du plaisir. T'es pas conne. Non, pardon, pardon. J'ai eu un rire vraiment, vraiment bizarre. Elle a toujours un rire vraiment, vraiment bizarre. Donc voilà. Alors, comment cette vidéo va terminer sur Facebook, je crois. Oh non. Dis coucou, coucou. Dis coucou. 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 Ouais, coucou. Non, c'est une blague. Elle va pas finir sur Facebook, elle va rester dans l'ordinateur. Elle va pas rester dans l'ordinateur, au moins sur YouTube, je suis désolée. Bah là, sur YouTube. Et sur Facebook. Au moins. Alors, mesdames et messieurs, si vous croyez qu'on a fumé un joint juste avant de faire cette vidéo... C'est... Vous trompez! Non, parce que Vanda est déchirée de naissance. Je n'ai. Non, je déconne. Franchement, on n'a pas pris de joint parce que papa, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Donc, je n'ai pas fumé de joint, d'accord? Romain non plus. Attendez, justement, on va faire un vote. Donc, pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin parce qu'ils se faisaient drôlement chier parce que la vidéo, entre guillemets, est vachement conne. Ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, donc on va faire un vote. Pourquoi tu mets mon bras? Vous allez... Mais non, mais comme ça, au moins, tu me fais mal avec ton coude sur mon pied. Comment? Donc, bref, on va faire un vote. Ceux qui... pour ceux qui croient qu'on a fumé un joint, et pour ceux qui croient qu'on n'a pas fumé de joint. On n'a pas fumé de joint, on continue à le dire. Bon, maintenant, il faut voir s'il y en a qui croient peut-être qu'on a fumé de joint. Qui sait pour faire une vidéo aussi débile? Elle va tomber sur cette vidéo, elle va faire... Attends, il y a ma mère aussi qui pourrait tomber dessus. Mais bon, vu qu'elle a bien vu que j'avais pas fumé de joint et que je n'avais pas d'herbe, je sais qu'elle va pas croire ça. Mais bon, maintenant, qui sait? Quoi? Toi tu sais? Eh bien moi aussi. Maintenant il ne manque plus que vos avis à vous et rien qu'à vous. Ah, j'adore faire ça. Je le ferai plus souvent. Ce sera mon truc maintenant. Je te reconnais. Alors, à vous. Et c'est comme ça. Et voilà. Vas-y, fais-le encore. Fais-le une fois. Voilà. Au revoir. À vous.